on a un nouveau prof dans notre université. Monsieur Archi. Ma nouvelle université. Oups! Désolée, j'ai pas fait exprès. Il y en a un qui a besoin de se sécher, on dirait. Oh! Merci beaucoup. Cette plante est trop sèche. Ah, c'est mieux. Merci. Oh, bonjour. Vous auriez bien besoin d'une coiffure un peu plus stylée. Et voilà. C'était quoi, ça? Les quatre éléments? Je sens que ça va être très amusant. Chaque élément dessine son signe en cours d'art plat. La colle à paillettes, ça rend n'importe quel dessin sympa. Taille des bâtons de colle. Et saupoudre-les de paillettes. Enveloppe-les dans du papier mousse scintillant. Attache des flammes pailletées sur une bande de papier mousse. Et enroule les bâtonnets avec. Oups, j'ai fait tomber un bouchon. J'en veux un aussi. Moi aussi. Je ne refuserai pas un bâton de colle non plus. Où sont mes colles? Hé, vous m'avez tout pris. Je suis furieuse. Oups, alerte incendie. Feu, mais qu'est-ce que t'as fait? Tout est de votre faute. Combien de likes j'ai eu pour ma vidéo TikTok? Oh, presque aucun. Et là, il y a un TikTok des quatre éléments. Elles ont toujours des millions de likes, c'est pas juste! Hein? Terre! What? Je te mets un F. Mais j'avais déjà eu un A+. Encore plus de F! Voilà! Comment je pourrais avoir plus de likes? Ah, je vois. Je comprends mieux ce qui se passe. On devrait faire une nouvelle vidéo. Les filles, on a besoin de votre aide. On va donner un coup de main à Monsieur Archi. On va utiliser nos super pouvoirs. Ça tourne. 1, 2, 3, 4. Ouais, ça a marché. Feu, c'est à toi. Devine qui t'a touché. Alors, c'était qui? Dis-le-moi en commentaire. Terre? Non? Mauvaise réponse! Très bien. Je vais bien deviner cette fois-ci, c'est sûr. Marc? Ouais! Marc, c'est à toi. Qui va le toucher maintenant? Ce sera moi. Devine qui c'est? C'est forcément R. Elle est tellement mignonne. Ahem. Oups! Qu'est-ce que tu fais? Faut que j'intervienne. Des gouttes magiques pour les yeux. Elles agissent instantanément. Waouh, je peux? Je vais tester. Il me faut ces gouttes. À mon tour! Donne-les-moi! Waouh, quel regard enflammé! C'est la récré! Je dois choper ces gouttes! Ha ha!
Qu'est-ce qu'il a, le prof? R! Un instant. Oups, trop la honte. Ces gouttes magiques, c'est du sérieux. Je voulais juste avoir des yeux magiques, comme vous. Ça a pas marché. Mais c'est impossible. Bon, allez, je vais vous aider. La réponse est l'eau. Oh non, mais qui leur donnait cours avant? Va t'asseoir. Oups! C'était ma tasse préférée! J'ai pas fait exprès. Je vais essayer de leur coller. Ça marche pas! Oh, il est tellement triste! J'espère que ça pourra remplacer sa tasse cassée. Peins des vagues sur une bouteille en plastique. Fais de l'écume avec de la pâte texturée. Enveloppe le bouchon dans du papier mousse. Fais voir. De l'eau. Du thé. Du thé glacé, c'est encore meilleur. Mais chaud, c'est bien aussi. L'eau s'est évaporée. Super bouteille, merci. T'as trop géré. C'est Marc. Il est trop beau. Qui va raccompagner à la maison aujourd'hui? On va régler ça tout de suite. Pierre, feuille, ciseaux. Oh, chambeau. Salut Marc. Rochambeau! Allez, viens! Les filles, qu'est-ce que vous faites? Hé! Hey! Quoi? Bouge de là! Va-t'en! On est occupés! Bon bah, d'accord! Rochambeau! Oh, Marc! Il est parti! Qu'est-ce qu'on a fait? Voici les résultats à vos tests. Oups, mon crayon est cassé. Est-ce que quelqu'un a un taille-crayon? Ça arrive! Envole-toi! Fais un entonnoir en pâte à modeler et colle un taille-crayon dedans. Enroule du fil autour pour que ça ressemble à une tornade. Merci! Oh, c'est une vraie tornade! Cachez-vous! Vous vous cachez au mauvais endroit, les filles. Les chewing-gums au miel, il n'y a pas mieux pour se calmer. Chaque élément préfère un goût différent. Je suis revenue. Le cours est toujours pas terminé? Dommage. Mon crayon est toujours cassé. Quelqu'un a un taille-crayon? Ouais, on en a tout un. Oh non, je vais pas pouvoir faire face à tout ça. Les éléments sont chacune occupés dans leur coin. Un manuel d'instruction magique. Wingardium Leviosa. Vol! Il a besoin d'aide. Pouvoir du vent, agis! Ça a marché. R, c'est toi qui as fait ça! Oh, qu'est-ce que c'est? J'ai une brindille qui pousse dans mes cheveux. Les filles, vous avez des ciseaux? Non, désolée. Mais tu peux sûrement en trouver dans la trousse de feu. Wow! Ça brûle! Découpe un morceau de carton et plie-le. Colle-le sur une vieille trousse. Et ajoute des compartiments en carton. Recouvre le carton de peinture acrylique. Découpe des briques rectangulaires dans du papier mousse et fixe-les sur le carton. Colorie-les avec un stylo rouge. Fixe du papier mousse marron au-dessus. Découpe une flamme dans une gomme et peins-la.
Ajoute un morceau d'écorce et une grille en papier mousse. Remplis la trousse à crayons avec des fournitures scolaires assorties. Oh, aide-moi à la refroidir! C'est bon. Qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas de ciseaux. Père Noël, coucou! T'as des ciseaux? Joyeux Noël! Merci, Père Noël. Je peux enfin couper cette jeune pousse sur ma tête. Hein? C'est quoi ce délire? Mais qui a fait ça? C'était lui! Vous allez pas vous en sortir comme ça! Vite, dans le casier, tout de suite! Dégage! Où il est? Vaut mieux pas me mettre en colère! On va débuter notre cours de biologie. On va étudier les plantes grasses. Ouais! Répétez après moi. Oups! Je voulais pas faire ça. Waouh! Envole-toi. Ça marche? Oh! Mon bébé tout vert. Un peu de magie devrait m'aider à faire pousser ma plante. Waouh! Et en voilà une autre. Attendez! Touchez pas à ce pot. J'ai planté mon carnet dedans. Il est là. Mais pourquoi? Pour qu'il fleurisse. Enveloppe une couverture de cahier dans de la feutrine. Décore-la avec des branches, de la mousse et des fleurs artificielles. Ajoute une coccinelle en plastique et un symbole de la terre en papier mousse. Plie du papier plusieurs fois sur lui-même. Et forme une fleur en relief. Colle-la dans le cahier. Ajoute un marque-page en forme de brindille. C'est fou! Y a quoi d'autre caché là-dedans? On dirait qu'il n'y a rien. Monsieur Archie a complètement perdu la boule, dis donc. Les éléments sont en train d'étudier. Mis à part R. Pourquoi tu étudies pas? Le ciel est tellement beau. Je peux pas le quitter des yeux. Le ciel? Va falloir t'enlever cette distraction. Hein? Mais pourquoi? Retourne travailler. Il est trop strict. Heureusement que j'ai une trousse avec des nuages. Coupe une partie d'une boîte en plastique. Découpe un nuage dans du papier mousse autocollant. Et colle du rembourrage dessus. Découpe un soleil en papier mousse. Attache la déco dans la boîte avec du fil de pêche. Tu te laisses encore distraire? C'est juste ma trousse. Très bien, je t'ai à l'œil. Pas de soucis. Et moi, je regarde les nuages. C'est vrai que le ciel est magnifique aujourd'hui. Sortez vos stylos et prenez des notes. Je déteste prendre des notes. J'ai oublié mon sac à dos. Je vais emprunter du papier et un stylo à Monsieur Archie. Hey! J'ai toujours mon stylo préféré avec moi. Enveloppe un stylo dans de la pâte à modeler. Forme une branche de bois. Découpe une feuille dans une gomme. Attache-la à une chaîne, fixée au bout du stylo. Décore la branche avec des fleurs et des feuilles.
trop mignon. Waouh. Attendez. Je vais décorer ton cahier moi aussi. Qu'est-ce que c'est? Heureusement que j'ai une gomme. Elle va se débarrasser de ça en un clin d'œil. Ce pot est tellement banal. Je vais tenter d'en faire apparaître un autre. Ça marche pas. Oh! Je viens d'avoir une idée. Un pot avec des cascades. Étale de la pâte Fimo. Et enveloppe un pot à stylo avec. Taille une texture pour que ça ressemble à une cascade. Ajoute des nuages et des vagues. Fais-la cuire au four en suivant les instructions sur le paquet. Et peins-la. Fais de l'écume avec du rembourrage synthétique. Super! Hein? Quoi? Il me faut ce pot! Les filles, j'ai une idée! Notez vos devoirs. Je vais me transformer moi-même en cascade. Le cours est terminé. Vous pouvez y aller. Maintenant, on est à la maison. Yeah! Surprise!